Mesdames, Messieurs, nous terminons à présent la description de la morphologie du cerveau en mettant en place la substance blanche cérébrale et les cavités des ventricules latéraux. Alors, la substance blanche dans l'hémisphère cérébral vient se placer sous le cortex qui forme cette écorce de substance grise qui recouvre la substance blanche. Et cette substance blanche va se placer sous le cortex, va s'immiscer entre les noyaux de la base du cerveau et sera en continuité avec la substance blanche du tronc cérébral. La substance blanche, comme toujours dans le système nerveux, est constituée de voies de passage qui peuvent être des voies motrices, des voies sensitives, des voies d'association, mais également des voies commissurales. On classe ces fibres de substance blanche en trois types. Nous avons tout d'abord les fibres d'association ou les fibres associatives qui sont des fibres intra-hémisphériques et qui peuvent soit être des fibres d'association courtes qui vont, on peut le représenter comme ceci, relier deux zones corticales proches, le plus souvent au sein d'un lobe ou au niveau de deux lobes différents. Et nous avons également des faisceaux d'association longs intra-hémisphériques et qui vont mettre en relation différents lobes. Nous décrivons ainsi un grand faisceau longitudinal supérieur qui chemine au sein de l'épaisseur de la lèvre supérieure du sillon latéral et qui va relier le lobe frontal en avant au lobe occipital en arrière. Faisceau longitudinal supérieur. Le faisceau longitudinal inférieur va cheminer quant à lui à la partie inférieure du cerveau et va mettre en communication le lobe temporal avec le lobe occipital. Le faisceau inciné va, quant à lui, mettre en communication le lobe frontal et le lobe temporal et va réaliser un crochet ou un cus, d'où son nom, le faisceau inciné, qui va venir passer au niveau de l'extrémité, de la base ici, du sillon latéral. Il existe également un faisceau d'association plus large en éventail qui va faire communiquer la région frontale en avant et la région occipitale et temporale en arrière. Ce faisceau d'association plus large et qui borde la face latérale du ventricule latéral porte le nom de tapetum. Enfin, il existe, plus profondément dans l'hémisphère cérébral et associé au système limbique, un faisceau qui va se placer en profondeur du gyrus du cingulum. Ce faisceau, c'est le cingulum. Nous le figurons ici en pointillé. Il constitue un faisceau d'association qui relie la région septale à la région temporale antérieure, région proche de l'hippocampe. Ce faisceau, le cingulum, ce qui signifie ceinture, est un faisceau d'association intra-hémisphérique associé au système limbique. Donc, faisceau d'association intra-hémisphérique constituant au sein de la substance blanche hémisphérique des structures qui vont relier des régions corticales proches ou des régions corticales à distance, mais toujours du même côté. À côté de ces faisceaux d'association, existent des faisceaux de projection. Ces faisceaux de projection peuvent être tout d'abord des faisceaux descendants, ce sont donc des voies motrices, qu'il s'agisse partant du gyrus précentral de la voie pyramidale, qui va donc descendre vers le tronc cérébral, ou qu'il s'agisse de fibres qui naissent des régions frontales, temporales, pariétales ou occipitales, et qui font relais au niveau des noyaux pontiques dans le cadre du fonctionnement du néocervelet. Il s'agit ici donc des fibres cortico-pontines. Dans ces fibres de projection existent également des fibres qui vont se projeter vers le cortex cérébral. Ce sont des fibres qui irradient pour la plupart depuis le thalamus que nous pouvons
placées par projection au centre du cerveau. Et ces fibres d'origine thalamique, qui vont constituer ce qu'on appelle les pédoncules du thalamus, vont pouvoir irradier vers l'avant, vers le lobe frontal, vers le lobe pariétal, sur les fibres, les voies de la sensibilité générale, vers le lobe occipital, ce sont les fibres de la vision, ou vers le lobe temporal, il s'agit des fibres auditives. L'ensemble de ces fibres de projection thalamo-corticale réalise la grande couronne radiée, ou corona radiata de Rayl. Et on reconnaît dans ces fibres thalamo-corticales eh bien, la terminaison des grandes voies de la sensibilité et des organes d'essence, voie de la sensibilité générale qui projette du thalamus vers le lobe pariétal, voie visuelle qui projette du thalamus, c'est-à-dire du corps géniculé latéral, vers le cortex occipital, et les voies de l'audition qui projettent du corps géniculé médial, donc du thalamus, vers le lobe temporal. Donc, l'ensemble de ces fibres, qu'il s'agisse de fibres motrices ou des fibres irradiant du thalamus, la corona radiata de Rayl, eh bien, constituent des fibres de projection qui vont donc occuper la substance blanche. Enfin, nous avons un dernier type de fibres nerveuses, ce sont les fibres commissurales, qui vont constituer les commissures, et il va cette fois-ci s'agir de structures interhémisphériques. C'est pour ça que nous les considérons sur une vue supérieure du cerveau, représentant donc les hémisphères droit et gauche. Et vous le savez, maintenant, il existe deux principales commissures. La première étant le corps calleux qui est constitué de fibres qui vont relier les deux hémisphères, donc frontal en avant, puis les lobes pariétaux, les lobes temporaux et les deux lobes occipitaux en arrière. Les fibres qui constituent le corps calleux vont se placer au fond de la fissure interhémisphérique, et c'est donc bien ces fibres du corps calleux qu'il va falloir sectionner sur une coupe sagittale médiane pour pouvoir observer la face médiale du cerveau, comme nous l'avions fait dans la démonstration précédente. Ces fibres vont vers l'avant constituer la partie du corps calleux, la partie antérieure qui relie les deux lobes frontaux, va constituer un enroulement de fibres formant le forceps minor, en avant, et vers l'arrière, les fibres plus épaisses et plus nombreuses qui vont relier les deux lobes occipitaux et qui vont armer la partie postérieure ou splénium du corps calleux vont constituer le forceps major. Donc, corps calleux, premier élément, avec des fibres qui vont traverser la substance blanche des deux hémisphères, mais partant d'un hémisphère vers l'autre. L'autre commissure principale, interhémisphérique, c'est le fornix. Alors, le fornix, on avait vu que, de chaque côté, il reliait le corps mammilaire, que nous plaçons ici, à l'hippocampe, et nous avons même pu préciser que la terminaison du pilier du fornix se faisait au contact du gyrus dentatus, qui est donc une structure qui est développée au contact du gyrus parahippocampal, réalisant donc un faisceau d'association thalamo-hippocampique, ou hippocampo-mammilaire. Mais certaines fibres du fornix vont également constituer des fibres commissurales, en particulier à la partie antérieure ici du fornix, où les fibres vont croiser au niveau des colonnes pour relier les deux régions mammilaires, et de la même manière, en arrière, au niveau des piliers, eh bien, des fibres vont croiser pour venir relier les deux régions hippocampiques. Donc, fibres commissurales qui représentent donc un dernier type de fibres constituant la substance blanche
cérébrale. Et donc, par définition, ces fibres commissurales vont être des fibres interhémisphériques. Alors, au sein de la substance cérébrale, ces fibres qui sont soit des dendrites, soit des axones, en fonction du sens de circulation de l'influx nerveux par rapport au corps cellulaire du neurone, eh bien, vont se situer au centre d'une coupe, et c'est ce que l'on peut représenter à présent sur les deux coupes classiques que nous avions déjà mises en place, qui sont une coupe frontale moyenne, dite coupe de Charcot, et une coupe horizontale moyenne, dite coupe de Flechsig. Si l'on s'intéresse tout d'abord au remplissage de la coupe frontale, donc avec une orientation crâniale et gauche, eh bien on figurera tout d'abord les fibres commissurales qui sont représentées par le corps calleux et qui ici vont, avec une disposition transversale, venir à partir d'une région corticale, traverser le corps calleux, en réalité ces fibres vont constituer le corps calleux, et traverser la ligne médiane pour venir rejoindre l'hémisphère contralatéral. On a, par, on va dire, quasiment perpendiculairement à cet axe, des fibres de projection qui vont, elles, quitter la région du cortex et venir se placer vers la substance blanche profonde, vers la base du cerveau. Alors, un point de repère pour ces fibres de substance blanche, pour cette substance blanche cérébrale, c'est le niveau de situation par rapport au noyau de la base, c'est-à-dire au noyau caudé, au thalamus, au noyau lenticulaire, mais également par rapport à une mince lame de substance grise qui se situe entre le noyau lenticulaire et le cortex de l'insula et que l'on appelle le claustrum. En effet, au-dessus des noyaux de la base, eh bien, la substance blanche va venir se placer au sein de ce que l'on appelle le centre ovale, comme le désignait Vieux-Sens. Centre ovale, car en coupe horizontale, eh bien, la substance blanche de la partie haute de l'hémisphère s'inscrit dans un ovoïde à grand axe antéro-postérieur. Un peu plus bas, lorsque la substance blanche va s'immiscer entre les noyaux de la base, eh bien, elle va constituer les capsules. Et nous distinguons ainsi trois capsules. En dedans, tout d'abord, la capsule interne, qui est limitée par le noyau lenticulaire et le thalamus médialement, le noyau, pardon, caudé et le thalamus médialement, le noyau lenticulaire latéralement. Et on voit sur une coupe frontale qu'elle a une disposition globalement verticale. Puis nous avons latéralement la capsule externe qui est constituée de la substance blanche cérébrale qui est entre le noyau lenticulaire et le claustrum. Et nous avons entre le claustrum et le cortex de l'insula, la capsule extrême. Nous avons par ailleurs ici la substance blanche, donc des hémisphères. Si l'on prend maintenant une coupe horizontale moyenne qui passerait à peu près dans le plan de cette flèche, et qui serait donc une coupe type Flechsig, eh bien, nous allons retrouver la substance blanche cérébrale avec ici une section qui va intéresser les capsules. Et effectivement, nous retrouvons les capsules telles que décrites à l'instant, avec entre le noyau caudé, vous avez ici la tête du noyau caudé et ici la queue du noyau caudé, je marque par un Q, ici le thalamus, le noyau lenticulaire avec donc ces trois couches, le putamen, le pallidum externe, le pallidum interne. Vous retrouvez le claustrum ici qui est interposé entre noyau lenticulaire et insula. L'insula étant ici, le cortex de l'insula. Et donc nous avons nos trois capsules. La capsule interne tout d'abord, entre noyau caudé thalamus d'une part, noyau lenticulaire d'autre part, la capsule externe entre le noyau lenticulaire et le claustrum, et la capsule extrême.
Et vous voyez sur cette coupe horizontale que la capsule interne va à présent présenter ces trois segments que sont le bras antérieur, ici, le genou au centre et en arrière, le bras postérieur. Donc cette notion de bras antérieur, postérieur et genou n'est visible que sur une coupe horizontale. La systématisation de la capsule interne est intéressante à connaître dans les grandes lignes car elle expliquera la sémiologie des accidents vasculaires cérébraux de la capsule interne. Le bras antérieur de la capsule interne va être essentiellement occupé par des fibres frontopontines et également par des fibres de projection des noyaux antérieurs du thalamus vers le lobe frontal. Puis nous allons avoir au niveau du genou de la capsule interne, au niveau du genou de la capsule interne, la projection ici du faisceau cortico-nucléaire, c'est-à-dire de la partie du faisceau pyramidal qui est annexée au noyau moteur des nerfs crâniens, faisceau cortico-nucléaire. Et juste en arrière de lui, au niveau de la partie antérieure du bras postérieur de la capsule interne, va venir se placer le tractus cortico-spinal, qui donc est la partie du faisceau pyramidal qui se destine aux motoneurones des cornes antérieures de la moelle spinale. On voit ici que le faisceau pyramidal est rassemblé sur une, donc au niveau du genou et du bras postérieur de la capsule interne à un endroit où celui-ci est donc sur une coupe en section de moins d'un centimètre carré de surface, alors qu'à son origine, rappelez-vous, il est très étalé au niveau du cortex. Ce qui explique la gravité des accidents vasculaires cérébraux de la capsule interne, où l'ensemble du faisceau pyramidal peut cette fois-ci être lésé, ce qui entraîne une paralysie contralatérale, c'est-à-dire une hémiplégie contralatérale, et qui est totale, qui concerne tout l'hémicorps, elle est donc dite proportionnelle. En arrière du faisceau cortico-spinal vont venir se placer, on va le placer, le figurer comme ceci, les projections thalamo-corticales des voies de la sensibilité générale. Et en arrière de ces voies de la sensibilité générale, et venant ainsi contourner la corne occipitale du ventricule latéral, donc, reviendrons sur la description des ventricules dans un instant, eh bien nous allons retrouver les voies visuelles et donc le neurone thalamo-cortical des voies visuelles. Ce sont les radiations optiques qui vont projeter vers le lobe occipital et qui vont occuper la partie postérieure du bras postérieur de la capsule interne. Donc voici pour cette capsule interne, la capsule externe et la capsule externe extrême, je n'insisterai pas sur leur systématisation. Donc, substance blanche, voie de passage, avec des fibres d'association courtes ou longues intra-hémisphériques, des fibres de projection intra-hémisphériques, qui sont soit motrices descendantes, soit constituant la corona radiata, c'est-à-dire les pédoncules du thalamus qui relient le thalamus essentiellement au cortex. Et nous avons évidemment les voies commissurales, dont la principale est le corps calleux, hein, corps calleux qui, donc la définition des voies commissurales, étant qu'elles relient les deux hémisphères cérébraux. Au sein de la substance blanche, et donc au sein de l'épaisseur de l'hémisphère cérébral, vont être creusées des cavités. Ces cavités, eh bien, ce sont les ventricules latéraux. Le ventricule latéral est la cavité qui dérive du télencéphale, de la vésicule télencéphalique primitive, et en projection sur une vue latérale du cerveau, cette cavité, de chaque côté, s'inscrit dans la forme d'un
c'est ouvert vers l'avant, présentant une partie frontale, présentant une grosse extrémité antérieure, puis venant présenter un carrefour ou atrium, d'où part en arrière une corne occipitale, et d'où part vers l'avant et latéralement un prolongement antérieur et inférieur, c'est la corne temporale. Il existe deux ventricules latéraux, un ventricule latéral droit et un ventricule latéral gauche. Et si l'on représente ces deux ventricules sur une vue supérieure schématique, eh bien, on va pouvoir en mettre en valeur, mettre en évidence la partie antérieure qui est fortement dilatée, formant donc la corne frontale. Alors, on peut distinguer corne frontale et corps, ou simplement partie frontale en fonction des descriptions. Puis nous avons en arrière la corne occipitale, qui va donc être creusée dans le lobe occipital, et nous avons vers le bas et latéralement la corne temporale qui s'effile et va venir se placer dans l'épaisseur du lobe temporal. Chaque ventricule latéral est connecté au troisième ventricule par l'intermédiaire d'un petit orifice, c'est le foramen interventriculaire. Donc le foramen interventriculaire qui est déterminé par le pôle antérieur du thalamus et la colonne du fornix, faisant donc communiquer, on peut le représenter comme ceci de façon schématique en projection, le ventricule latéral avec le troisième ventricule qui est le ventricule du diencéphale. Le liquide cérébrospinal chemine des ventricules latéraux vers le troisième ventricule, puis du troisième ventricule vers le quatrième ventricule. Le troisième ventricule étant relié au quatrième ventricule par l'intermédiaire de l'aqueduc du mésencéphale, comme nous l'avions vu dans l'étude du tronc cérébral. Et c'est au niveau du quatrième ventricule que le liquide cérébrospinal intraventriculaire, sécrété par les plexus choroïdes, va être en communication avec le liquide cérébrospinal des espaces subarachnoïdiens, au niveau de l'ouverture médiane, du quatrième ventricule, décrite par Magendie. Et c'est dans les espaces subarachnoïdiens que le liquide cérébrospinal est résorbé au niveau des granulations arachnoïdiennes. Alors, ça c'est la déprojection générale de ces ventricules latéraux. Les ventricules latéraux, droit et gauche, présentent des rapports que nous allons pouvoir étudier sur les différentes coupes que nous avons déjà pu mettre en place. Et nous allons donc commencer par décrire la partie antérieure et supérieure du ventricule latéral ou partie frontale. Alors, en avant du foramen interventriculaire, la corne frontale du ventricule latéral est dépourvue de plexus choroïde et cette corne frontale va être limitée par le corps calleux en avant et au-dessus, le septum pellucidum en dedans et la tête du noyau caudé latéralement. En arrière du foramen interventriculaire, on va retrouver la partie postérieure de la corne frontale du ventricule latéral. Cette portion du ventricule latéral est délimitée par au-dessus le corps calleux, par latéralement le noyau caudé et la partie supérieure du thalamus dans le sillon thalamo-caudé. Vient se placer ici la veine thalamocodée. La limite médiale de la corne frontale du ventricule latéral est représentée par le septum pellucidum. Et le plancher de cette corne frontale du ventricule latéral sera formé par la face supérieure du thalamus,
la face supérieure du fornix est tendue entre le bord latéral du fornix et le ténia du thalamus, la très fine toile choroïdienne du ventricule latéral, au niveau de laquelle vient se développer le plexus choroïde du ventricule latéral qui existe donc en arrière du foramen interventriculaire. Sous le fornix et sous la toile choroïdienne du ventricule latéral se place la fissure transverse du cerveau, dans laquelle se placent les veines cérébrales internes. Et sous la fissure transverse du cerveau vient se placer la toile choroïdienne du troisième ventricule et sous elle la cavité du troisième ventricule que je vous replace ici avec au niveau de son toit le plexus choroïde du troisième ventricule qui se développe vers le bas dans la cavité ventriculaire. Vous voyez que la limite entre les deux ventricules latéraux, la limite médiale, est très fine, représentée ici par le septum pellucidum. Donc, partie frontale avec deux zones, une zone antérieure dépourvue de plexus choroïde entre le corps calleux, la tête du noyau caudé, le septum pellucidum, donc, si on reprend ici la projection supérieure, eh bien ça correspond à ce qui est ici en avant du foramen interventriculaire. Et en arrière du foramen interventriculaire, eh bien la partie postérieure de la corne frontale est délimitée par le corps calleux, le noyau caudé, le septum pellucidum, la face supérieure du thalamus, la face supérieure du fornix et au niveau du plancher de cette région, se place la toile choroïdienne avec le plexus choroïde. En arrière de la corne frontale du ventricule latéral va se placer une zone centrale qui correspond à l'atrium du ventricule latéral, atrium qui correspond à une partie relativement dilatée de ce ventricule. Sur la coupe horizontale, elle se présenterait ici, juste en arrière du thalamus, en arrière de la queue ici du noyau caudé, et on voit se développer dans l'atrium du ventricule latéral un très volumineux plexus choroïde au niveau de la toile choroïdienne qui se place donc ici en avant. Nous retrouvons ici la partie postérieure de la fissure transverse du cerveau que nous marquons par la lettre B. Ici, sa partie antérieure et entre les deux va se placer le troisième ventricule, le V3, que je vous place ici et je vous renvoie vers le cours sur le diencéphale pour retrouver les structures précises qui délimitent ces formations. C'est d'ailleurs au niveau de l'atrium du ventricule latéral que le plexus choroïde est le plus développé. Il n'est pas rare, de façon tout à fait normale, d'avoir des calcifications de ce plexus choroïde typiquement à cet endroit, qui donne donc des formations blanches qui apparaissent au scanner cérébral sans injection et qui ne doivent pas être interprétées comme des processus pathologiques. Vers l'arrière, la corne occipitale du ventricule latéral va creuser le lobe occipital et on peut la représenter sur cette coupe frontale qui passe au niveau du lobe occipital par le splénium du corps calleux. Vous reconnaissez ici donc la forme triangulaire à la coupe de la partie postérieure de l'hémisphère cérébral, le cortex, la substance blanche. Et donc nous allons retrouver cette cavité ventriculaire qui est dépourvue à cet endroit-là de plexus choroïde, qui va être creusée dans l'épaisseur du lobe occipital et qui va voir
dans sa lumière plusieurs reliefs. Un premier relief qui est déterminé ici par les fibres du forceps major, donc là, les fibres qui viennent du splénium du corps calleux et qui vont s'épanouir dans la substance blanche du lobe occipital et qui vont marquer ici leur empreinte à la partie médiale de la corne occipitale. Et un peu en dessous et en dehors apparaît ici ce que l'on appelle le calcar à vis, le calcar à vis, et qui correspond à la saillie imprimé dans la lumière de la corne occipitale du ventricule latéral par le sillon calcarin qui se place à cet endroit et qui correspond et dont les lèvres correspondent à l'aire visuelle primaire. Autour de cette cavité vont se placer des faisceaux que l'on peut détailler maintenant. Le tapetum qui est immédiatement en dehors. Puis nous allons avoir, on va respecter le code couleur, eh bien les radiations optiques qui correspondent donc aux fibres issues du corps géniculé latéral et qui vont se projeter sur le cortex de part et d'autre du sillon calcarin. Et enfin, le faisceau longitudinal inférieur qui se place plus latéralement. On notera ici, au-dessus du corps calleux, au sein du gyrus singulaire, ou en tout cas dans sa continuité, le faisceau du cingulum. Corne occipitale du ventricule latéral. Le reste est représenté par la substance blanche ici du ventricule, du lobe occipital. Nous avons enfin, latéralement, la corne temporale du ventricule latéral. Et cette corne temporale, eh bien, elle est creusée au sein du lobe temporal. Et nous allons reprendre ici la vue qui avait été réalisée dans le cours sur la systématisation du cortex. Cette corne temporale se creuse au sein de du lobe temporal. Et elle répond en dedans à l'hippocampe et latéralement, elle va répondre ici au contingent temporal du tapetum, donc ce grand faisceau fronto-occipito-temporal. En dedans, il s'agit donc ici de l'hippocampe dont les structures sont formées par, je vous le rappelle, le cortex de T5, gyrus para-hippocampal. Vous avez ici le sillon temporo-occipital médial ou sillon collatéral, le gyrus para-hippocampal dont le cortex va s'enrouler, va s'invaginer, va s'enfoncer dans la profondeur du lobe temporal, prenant donc successivement le nom de subiculum, puis de cornes d'amont avec les champs amoniens CA1, 2, 3 et 4. Ce cortex qui s'enroule sur lui-même va venir répondre au-dessus, ici à une zone de cortex tout à fait archaïque qui est constituée par le gyrus dentatus qui correspond à la partie inférieure de l'archéocortex prolongeant l'indusium griseum et se prolongeant par l'intermédiaire de la bandelette diagonale vers la partie antérieure de l'indusium, formant donc cet anneau d'archéocortex extrêmement involué dans l'espèce humaine et dont seule la partie en rapport avec le gyrus parahippocampal garde une importance fonctionnelle dans l'espèce humaine. Le gyrus dentatus est recouvert par la fimbria qui correspond à la terminaison du pilier du fornix, hein, qui donc est constitué de fibres d'association qui proviennent de la région du corps mammilaire, donc qui proviennent de la région
de l'hypothalamus et qui vont venir se placer au-dessus du gyrus dentatus, les fibres du fornix venant s'articuler, venant faire synapse avec les cortex du gyrus dentatus, de la corne d'amont, du subiculum et du gyrus parahippocampal. La partie la plus latérale de cette structure étant constituée d'une substance blanche plus épaisse qui constitue l'alvéus. L'alvéus de la fimbria, donc l'alvéus qui est en fait la terminaison, qui est les fibres du fornix qui forment un éventail qui va donc connecter les différentes structures de l'hippocampe, va donc former la partie médiale, la paroi médiale de la corne temporale du ventricule latéral, la paroi latérale répondant à la substance blanche du lobe temporal et immédiatement à son contact, le tapetum. Accompagnant la fimbria, c'est-à-dire accompagnant la terminaison du fornix, se retrouve le ténia du fornix, celui-là même qui se développait au niveau du corps du fornix, dans la vue supérieure du diencéphale. Vers le haut apparaît ici le ténia qui prolonge le ténia du thalamus et dont on avait vu qu'il accompagne dans le lobe temporal la queue du noyau caudé, que l'on retrouve donc ici. Et ainsi, tendu entre ces deux ténias, apparaît la toile choroïdienne du ventricule latéral, toile choroïdienne du ventricule latéral qui est en continuité avec la toile choroïdienne de l'atrium et de la corne frontale, qui donc suit ce phénomène d'enroulement. Et donc, ce développement à partir de cette toile choroïdienne apparaît le plexus choroïde du ventricule latéral qui va donc venir border au sein de la cavité ventriculaire, l'alvéus ou paroi médiale de cette corne temporale. J'en ai donc ainsi terminé avec la description de la substance blanche et des cavités intra-hémisphériques. Donc, substance blanche qui correspond aux voies de passage, soit d'association, soit de projection, soit les voies commissurales, qui s'organisent en formant le centre ovale au niveau de la partie haute de l'hémisphère, centre ovale de Vieux-Saëns, car il a une forme ovoïde en coupe horizontale et qui forme les capsules entre les noyaux de la base, capsule interne, capsule externe, capsule extrême. Parmi les trois capsules, c'est la capsule interne qui fonctionnellement a un intérêt en sémiologie et sur une coupe horizontale, on définit trois segments à la capsule interne, un bras antérieur occupé essentiellement par des fibres thalamo-frontales et les fibres frontopontines, le genou de la capsule interne où se projette le tractus cortico-nucléaire et le bras postérieur où on va trouver d'avant en arrière le tractus cortico-spinal, les voies de la sensibilité générale thalamo-pariétale et les radiations optiques ou voies thalamo-corticales visuelles. Le ventricule latéral est une cavité en forme de fer à cheval qui est creusée au sein de l'hémisphère et qui présente une corne frontale vers le haut et vers l'avant, un atrium ou carrefour, d'où part en arrière la corne occipitale au sein du lobe occipital, et vers le bas et latéralement la corne temporale dans le lobe temporal. L'étude précise des différentes coupes horizontales ou frontales permet d'étudier les rapports et la composition des parois de ces cavités ventriculaires. Avec ce cours, nous en avons maintenant terminé avec la description morphologique de l'encéphale et nous aborderons la fois suivante la vaste problématique avec tous les intérêts cliniques que cela peut avoir de la vascularisation artérielle bien évidemment, mais aussi veineuse du cerveau. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.